Parce que Mao Zedong disait que le monde est comme un œuf. Il y a la partie jaune qui est la partie intelligente qui réfléchit, et autour du jaune, il y a le blanc. Alors nous autres, à l'époque, nous les noirs, on s'est dit, mais dans cette configuration géographique, où se trouve notre couleur, le noir? Pour qu'il y ait notre couleur, il faut mélanger le jaune et le blanc, c'est-à-dire faire en sorte que l'omelette soit brûlée.
Je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire. Et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé est arrivé à un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Que pensez-vous de la santé mentale de cet individu ? Prend le pouvoir le 5 février 1979. Dès lors, sans le savoir, notre pays était condamné à la médiocrité. Et pour cause. Dès l'indépendance, officiellement le 15 août 1960, les prédécesseurs de Denis Sassou Nguesso, dont le président Philibert Yulo de 1959 à 1963, puis Alphonse Massamba Diba de 1963 à 1968, puis Marie Ngouabi de 1969 à 1977 avant son assassinat, puis Yobi Opango de 1977 à 1979 avait tout misé sur l'éducation nationale au Congo, si bien que dès 1980, le niveau de scolarisation au Congo atteignait presque les 100%. Nous étions les pays les plus instruits, éduqués au sud du Sahara. Peu à peu, dès que Sassou prend les commandes de ce pays, comme il est dit, il a commencé à détruire l'éducation nationale. Mais heureusement pour nous, et je l'ai moi-même constaté, puisque j'ai enseigné au lycée, des classes de première terminale, même terminale scientifique, il y en avait partout. Mais nous avions quand même eu la chance du socle éducatif des prédécesseurs de Marie Ngouabi. C'est-à-dire, nous, les années 80, malgré la destruction volontaire par Sassou Nguesso de détruire l'éducation nationale, nous avons bénéficié déjà de ce socle-là des années 60-70. Mais après, le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, Denis Sassou Nguesso était revenu avec la ferme intention de détruire complètement l'éducation nationale. Momo bolingo, okangi motema. Kanisa nanu momo, na mobu 72 toka bwana kina mawa. Mosika na uti na ye na ngambo, bolingo oyo somo molimo epona. Yoka bolingo na komizoka. Makanisa leki ndelo momo wa motema. Na komituna na chantako makutano ya ba surprise. Momo na kanisa keza la kinisa no mama. Silo pa na molite ni kapwa sola. Na beni toto. Kanisa malamu bolingo kitisa motema. Na memi nenga
mudu ya mapengo Sumu ya kala koba paka katehe Na kanisa kieza lakine lisano momo Peya sanga loboko na yo kisipona bika Momo, bolingo nzoto yo bosombi momo Ya motema Momo, bolingo nzoto yo bosombi momo Ya motema Ngai mama imisa ngai momo na pandali yo luya yo katoli la koemba na kolela na mana miso motenga la yo tosito mesana pandale passe oluya ozongela ngai pona bikao selina ngai Mama, imisa ngai momo Na kobizo bae Luya, nota yo katolini Soki nga moto na sala kiyo mame Fika mote ya kandolo banae Basya koli mwa moninga boye Oko lukali waya jana mwana moto Alingi yo koko Mama, imisa ngai momo hey.